J'ai l'impression que j'assiste à l'installation d'une œuvre d'art. C'est une nouvelle œuvre d'art. Belle poutrelle métallique. Lyon. C'est sympa. Oh, ouais. C'est du beau, hein. C'est du solide. C'est du solide. Ah, vous avez déjà exposé sur le pont des Arts? Absolument. Voilà, ok. J'ai déjà exposé sur le pont des Arts et là je récidive en quelque sorte sur le pont du Carrousel. Et en fait il s'agit d'un arbre en acier constitué dont les feuilles sont constituées d'une multitude de milliers de livres qui s'envolent. Les feuilles des livres étant les feuilles des arbres. Le tout étant en acier miroitant et si bien que le reflet des livres les uns contre les autres devrait produire normalement, parce que j'ai hâte de voir le résultat, devrait donner un résultat prodigieux. Mais on attend le résultat. Et là, je suis, je dois dire, très inquiet parce que nous sommes au début de l'installation et que j'ai visionné la chose sur ordinateur avant, bien entendu, mais on ne se rend pas quand même compte de la véritable échelle, parce que là, ça va faire quand même 13 mètres, 12, 13 mètres de haut. Donc voilà, je suis dans le... Pour moi, c'est une très belle expérience. Je me remercie d'ailleurs la mairie de Paris et la mairie du 6e arrondissement qui m'a permis de faire ce projet. Et donc, je pense que j'espère que le public sera heureux aussi de la réalisation de ce projet. Vous leur avez communiqué le plan de montage? Ah oui, oui, quand même. Parce qu'ils ont l'air perplexes là-bas. Ils ont l'air perplexes. Il y a deux ingénieurs qui sont ici, la jeune femme à gauche, le garçon de droite. Il y a quelqu'un qui dirige le chantier, il y a moi-même, et puis il y a toute une équipe qui est très solidaire. Jusqu'à présent, tout va bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Ne partez pas, ne partez pas.